Citoyens, vous êtes compris. Non. C'est moi qui donne le micro, c'est pas une communauté autogérée. Le journal de presque 17h17. Je ne suis pas le Père Noël et vous n'êtes pas des enfants. Et on commence par les titres. Les opposants à la réforme des retraites sont à nouveau dans la rue aujourd'hui. Macron, il n'a pas réussi à faire en sorte que plus personne ne dorme dans la rue comme il nous l'avait promis, mais en plus, il a amené plein de gens à y passer la journée dans la rue. Selon l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, la politique économique d'Emmanuel Macron profite d'abord aux actifs et aux plus aisés. Non, le problème là de l'OFCE, là, c'est qu'ils sont trop impatients ces gens. Ils ne sont pas capables d'attendre que ça ruisselle. Ça arrive, hein. Ça va ruisseler. Bref. Ouais, d'après l'OFCE, les brefs profitent à tout le monde. C'est sûr. Ouais, donc c'est pas fiable. C'est pas fiable. On commence par l'épidémie, oui, bien sûr. Oui, le coronavirus qui continue à se propager en Chine, où plus de 28 000 personnes ont été contaminées et 563 autres sont décédées. Ouais, c'est peut-être le moment idéal pour W9 de préparer la nouvelle saison, les Marseillais en Chine. Peut-être c'est maintenant qu'il faut y aller. Notez aussi qu'une fausse nouvelle a circulé ces derniers jours sur les réseaux sociaux, à savoir que la cocaïne permettrait d'éradiquer le coronavirus. Dommage, Benoît Magimel était à deux doigts de s'inscrire en tant que bénévole chez Médecins du Monde. Politique à présent, Sibeth Ndiaye a proposé que les ministres battus au municipal puissent rester au gouvernement. Eh, on pourra pas dire que ce gouvernement fait pas tout pour préserver la sécurité de l'emploi. Chapeau à eux. Municipal toujours, ouais. À 97 ans, le doyen des maires de France brigue un 10e mandat. Et on le répétera jamais assez, l'importance du renouvellement en politique, c'est très important. Le compte Instagram secret de Marine Le Pen sur ses chats a été démasqué et elle refuse les demandes d'abonnement. Eh oui, mais c'est mon avis parce qu'on remarque assez vite que ces chats, c'est des Bengales, des Somalis et des Persans. Bref, des chats immigrés, aucun made in France de souche. Justice, le cardinal Barbarin s'est exprimé publiquement pour la première fois depuis la fin de son procès en déclarant « Cette affaire me collera toujours au visage ». Est-ce que ça vaut la peine que je fasse une vanne à base d'enfants de cœur et déjà... Non, merci, non. Voilà, c'est con parce que Brick, il est du Nord et ça l'aurait bien fait marrer, je crois. C'est ma préférée. Ouais. Technologie, Google veut bloquer les publicités vidéo qui sont trop intrusives sur son navigateur Google Chrome. Ça, c'est cool parce que moi, j'en ai marre. On m'invite toujours à enlarge my penis, rencontrer des femmes matures chaudes de ma région. Non, mais c'est de la publicité ciblée, ça. Donc, Alors, on continue. Allez, sport. Oui. Le footballeur français Samuel Umtiti est accusé d'avoir saccagé une maison de vacances. Comme quoi, Samuel Umtiti casse pas que la démarche. C'est celui qui a marqué oui, contre la Belgique. Oui, c'est celui-là, ouais. C'est celui-là. Il saccage pas que les maisons, il saccage aussi les espoirs de tout un peuple. Exactement. Salaud. Carnet rose, oui, à l'aquarium de Lyon, un bébé requin léopard a vu le jour. Ouais, je sais pas si c'est une bonne nouvelle, ça. Bon, le léopard, ça va déjà pas hyper bien aux filles. Alors, requin, à mon avis. Allez, les brèves. Ah, les brèves. Ah, sympa. Attention, elle vole 40 vibromasseurs et les redistribue à ses voisines. Je pense que c'était une manière de mouiller ses complices. Elle est bonne. Ouais. Si. Ok, j'en ai une plus raffinée pour la dernière. Ok, la dernière alors. Le premier touriste lunaire renonce à trouver une petite amie pour l'accompagner. Le romantisme a bel et bien disparu aujourd'hui. On ne trouve plus l'amour même quand on promet la lune. Quel poète. C'est plus joli. J'aimais bien celle avec mouiller les. Merci, Alexis Zarek. Elle a été raffinée.